I know you feel this movement right here. You just be vibing. Salut les filles, salut les garçons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un haul action. Et oui, alors tout d'abord, je vais quand même commencer par vous dire merci de tout mon cœur. Merci aux anciens abonnés, merci aux nouveaux abonnés, welcome. Merci à vous tous pour votre soutien parce que je vois que ma chaîne, elle progresse de jour en jour et c'est vraiment grâce à vous. Donc vraiment, je vous remercie de tout mon cœur. Allez, sans plus attendre, on commence. Alors, qu'est-ce que je vous ai encore déniché à Action? Je trouve que ces derniers temps, il n'y avait pas énormément de nouveautés, surtout en make-up. Mais enfin, ça y est, j'ai quand même trouvé des petites choses. Alors là, ce n'est pas du make-up. Je vous montre tout de suite ce dont je parle. En fait, c'est un roller de 8... Enfin, un roller 100% naturel en aromacologie. C'est de l'huile de lavande 100% naturelle. Et en fait, il y avait différents modèles. Moi, j'ai pris celle pour s'endormir. Donc, vous voyez, il y a écrit « sleep » dessus. « Sleep » pour dormir, hein, voilà. Sans jeu de mots, non, non, ce n'est pas un « sleep », c'est « sleep » en anglais, voilà. Et donc, tout simplement, c'est une huile qui vous permettra normalement de mieux dormir, voilà. Alors on peut s'en mettre un petit peu au poignet, voilà, et un petit peu sur la tête d'oreiller, mais il faut quand même pas en abuser, voilà. Je dis voilà, mais j'ai oublié de vous dire le prix. Le prix 0,95 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. J'ai hâte moi de l'essayer parce que il y a certains soirs où j'ai quelquefois un petit peu de mal à m'endormir. Ah bah oui, là-haut ça cogite et du coup bah voilà, des fois j'ai du mal à m'endormir. Donc j'ai hâte de tester ça. Voilà. Ensuite, c'est très simple, je me suis repris un crayon à sourcils de la marque Max & More. Donc, il m'a coûté 99 €, c'est vraiment un tout petit prix. Moi, je les adore vraiment, d'ailleurs, je ne mets que ceux-là. Ils sont très gras, c'est vrai, il faut reconnaître que c'est des crayons à sourcils très gras, mais pour moi, ça convient bien parce que bah, j'ai presque plus de sourcils. Et du coup, pardon, j'ai du mal à parler, j'ai l'impression aujourd'hui. J'ai presque plus de sourcils et du coup, moi, quasiment, bon, j'ai quelques poils ici. Après, je trace tout au crayon. Et donc, moi, j'ai besoin d'un sourcil gras et je suis super contente de les avoir trouvés à Action. Maintenant, ça fait un moment que je les achète là-bas parce qu'avant, je les achetais des fois à Monoprix ou ailleurs et c'était entre 12 et 15 € le crayon de sourcil. Donc, vous imaginez pour moi l'énorme économie puisqu'aujourd'hui, je les paye 99 €. Et d'ailleurs, comme quoi, il y a vraiment une inflation partout, même chez Action. Avant, ils étaient à 0,89 €, donc ils ont pris 10 €. Bon, voilà, mais enfin, moins d'un euro, moi, j'en suis très contente. J'en achète assez régulièrement parce que j'avoue que j'ai peur si un jour, ils ne le distribuent plus, bah, j'ai peur qu'il n'y en ait plus. Donc, j'en ai généralement d'avance. Donc, voilà. Voilà ce que... Voilà. Allez, on passe à autre chose, Arianette. Ensuite, oh bah je me suis acheté un... Alors, c'est un soin pour les vernis, pour le vernis, pour mes ongles. Enfin, ça, non, il n'y a rien. Oh là 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 là. Ben aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Alors, c'est un soin pour les ongles. Donc, je l'ai acheté, bien sûr, chez Action. C'est la marque Max & More. Voilà, il faut que j'arrive à bien vous le montrer à la caméra. Donc, c'est le High Shine Top Coat. Et en fait, c'est un vernis... couche finition brillance. Voilà, c'est vraiment pour faire, vous voyez, briller les ongles. Et vous voyez, je l'utilise, ça fait bien, bien briller les ongles. Voilà, je pense que vous vous rendez compte comme ça. Voilà, voilà. Ah, au fait, vous avez dû remarquer, mes chers abonnés, que j'ai changé le décor. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben voilà, nouveau décor, nouveau studio pour Arianette, pour la chaîne Les Trouvailles d'Ariane. Voilà. Papapim, papapoum, j'enchaîne, voilà, j'enchaîne. Je vais essayer quand même que mes vidéos soient un petit peu moins longues, si j'y arrive. Ce qui n'est pas évident pour une pipelette comme moi. Alors ensuite, j'ai acheté, vous allez voir, hein, c'est tout bête, c'est tout simple. C'est une petite brosse à cheveux pliable. Bon, franchement, elle n'a rien de oufissime, hein, c'est pas une pépitas mi corazón, hein. Il n'y a pas de quoi pousser des cris de waouh, mais voilà. Ce que j'ai trouvé bien, eh ben, c'est qu'elle est repliable et qu'elle ne prendra pas de place dans mon sac à main. J'ai trouvé que ça serait très... J'ai trouvé que ça serait très pratique. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai, mes amis, et pourquoi j'ai autant de mal à articuler. Donc, je reprends. J'ai trouvé que cette petite brosse pliable, clic, clac, voilà, serait très pratique pour la glisser
dans mon sac à main parce que, bah oui, en journée, moi, j'aime pas avoir des nœuds dans les cheveux. Donc, souvent, je me peigne les cheveux avec les mains. Mais enfin, je trouve qu'avec ça, ça sera quand même beaucoup mieux. En plus, regardez, ah oui, démonstration, elle est bien, hein, elle peigne bien, franchement. Alors, tout petit prix, 69 centimes, les amis, ça valait vraiment pas le coup de s'en priver. Voilà. Ensuite, voilà, en plastique, elle n'a rien de sublime. Dans la lignée, je me suis pris cet ensemble de trois peignes. Pourquoi? Eh ben, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas vraiment de peignes. Et en fait, quand je coiffe mes filles, ben, j'ai bien besoin d'avoir des peignes différents pour faire les raies, etc., les raies de cheveux de mes filles. Voilà, donc j'ai pris ce petit ensemble de trois peignes. À mon avis, ils ne sont pas d'une qualité de fou, hein. Ils ont l'air d'être en plastique, mais enfin... Pour le petit prix, je pense que ça ira très bien. 59 centimes pour ces trois peignes. Voilà, j'ai trouvé que ben pour moi, ça serait très bien en tout cas. J'espère qu'ils ne vont pas se casser et qu'ils vont être suffisamment solides. Voilà, voilà. Ah, alors ensuite, les amis, en ce moment, je piste énormément les parfums chez Action. Et je trouve ben, qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Et surtout, certains parfums que j'adore et que je vous ai déjà présentés, ben, ils ne reviennent pas. Je pense à Marichesse, à Dayou, à Caroline. Pff, bon, bref, vivement qu'il y ait un réassortiment parce que j'aimerais vraiment en reprendre. Alors du coup, je me suis dit, tiens, je vais tester les Leia et Lenora. Voilà, ça c'est la marque donc Figenzy. Alors, il y en avait plusieurs. Pour le moment, il n'y avait que celui-ci dans mon action où il y avait le testeur. Et j'aime bien quand même sentir avant d'acheter, parce que je n'avais pas envie de l'acheter pour l'acheter. Donc, je l'ai senti, j'ai trouvé qu'il sentait très bon. Et en fait, Leia N. Lenora, alors c'est le Chatty Pink. Alors, je vous le montre. C'est une eau de parfum. Qui fait 50 ml, donc c'est pas 100 ml pour celui-là, il fait 50 ml, et alors c'est le dupe du parfum Flower Bomb de Victor & Rolf, tout comme, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, le Bisou Sucré est déjà un dupe du parfum Flower Bomb de Victor & Rolf. Sauf que la différence, eh ben, celui-ci, le Bisou Sucré, c'est The Beauty Depth, la marque, alors que là, c'est Figenzy. J'ai comparé les deux, j'aime mieux celui-ci. Voilà, j'aime mieux celui-ci que Bisou Sucré. Voilà. Alors ça, c'est très subjectif, les amis. En tout cas, il est très, très floral. Il irait très bien pour une jeune fille. Voilà, bon après, même si moi je ne suis pas une jeune fille, ça m'empêche pas d'aimer quand même. Le flacon, il ressemble à ça, les amis. Donc ce que je trouve, il est joli. Ce que je trouve joli, c'est le bouchon. Le bouchon, vous voyez, comparé à Bisou Sucré, où je trouvais vraiment que le petit bouchon, il était bof, quoi, avec le petit bouchon en plastique comme ça, je trouvais pas ça terrible. Oula, pardon, je vous le montre mal. Voilà, je trouvais que le flacon était très joli à Bisou Sucré, mais le bouchon en plastique, bof, c'est dommage, ça gâchait un peu. Ben, celui-ci, je trouve que le plafond, alors une fois j'ai sorti le placon, maintenant le plafond, non mais... Au secours, oui, oui, je sais, vous allez me charrier encore, mes abonnés chéris. Ben, allez-y, taquinez-moi, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, le flacon, je trouve qu'il est plutôt joli, regardez. Voilà, j'essaye de bien vous le montrer. Et alors, le bouchon, lui, il est sympa. Il fait joli, quoi. Vraiment, voilà. Moi, je trouve que ce petit parfum, il me plaît bien au niveau packaging. Il est sympa. Voilà, et il sent vraiment très bon. Bon, de toute façon, j'en mêle un petit peu sur mon bras, mais vous ne pouvez pas le sentir à travers la caméra. Voilà, ben oui, il sent très, très bon. Il est très, très floral. En fait, je disais, c'est pour les jeunes filles, mais finalement, honnêtement... Honnêtement, non, non, enfin, pas que pour les jeunes filles. En tout cas, pour un parfum d'été, il sera parfait, je trouve. Mais j'aime beaucoup, vraiment, il sent très, très bon. Allez, hop, allez, n'importe quoi, moi. Le prix, 1,89€ et il fait 50 ml. Donc, ils sont plus petits que les autres parfums, en général, qui faisaient 100 ml. Voilà, mais bon, 1,89€, franchement, les amis, ça vaut pas le coup de s'en priver. Si vous le trouvez, souvent, ils y sont, les parfums de cette marque-là, de Figenzy, les Leia and Lenora. Les Leia and... J'ai du mal à le dire, hein. Leia and Lenora. Ceci, vous les trouvez souvent. Voilà, donc, voilà, vous avez vu la boîte, hop. Il y en a un violet, il y en a un bleu, il y en a un jaune...
Qu'est-ce qu'il y avait? Bah, déjà, je crois qu'il y avait tout ça. Donc voilà, si vous les voyez, s'il y a le testeur, testez-les et voyez si ça vous plaît avant de les acheter, hein, parce qu'il ne faut pas acheter pour acheter non plus. Voilà. Alors, ensuite, mes chers amis, qu'allons-nous voir ensemble? Alors, eh bien, ah oui, parce que dis donc, il faut que la bonne humeur soit là quand même, hein. En plus, j'ai de la chance, j'ai un petit rayon de soleil et j'ai un peu plus de lumière que d'habitude parce que j'ai un Velux là au-dessus de moi. Donc, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais ça devrait faire un éclairage meilleur. Voilà. Bon, enfin bref, la bonne humeur est là et c'est ce qui compte. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer, mes chers amis? Eh bien, un primer de Max & More. Là, ça vient d'arriver à Action, c'est une nouveauté. Donc, encore un primer. 2,29 €. Alors franchement, il y a écrit, qu'est-ce qui est écrit? Flawless Base Primer. Voilà, c'est écrit comme ça d'un côté. De l'autre côté, il y a écrit Vegan Skin Smoothing. Voilà. Et ensuite, je vais vous l'ouvrir. Alors, pour qu'on voit un petit peu à quoi ça. Alors, vous voyez, ça se présente comme ça. Alors, vous l'ouvrir, mais bien évidemment, je n'avais pas vu. C'est bien fermé avec ce petit plastique. Donc je vais essayer de l'ouvrir sans me couper parce que ça c'est pas gagné. Je suis quand même, vous le savez, assez maladroite. Alors j'espère que j'ai réussi. Oui, j'ai réussi les amis. Alors je vous le tourne. Oh là, alors après ça se présente comme ça. Là, on enlève ça. Et là, je prends. Ah oui, c'est très 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 crémeux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte les amis. Voilà, c'est hyper crémeux. Je vais en mettre, allez, on le tente un peu sur la main, le primer. Ouais, vous voyez. Bon, c'est un primer qui m'a l'air d'être. Je regarde, hein, mais je ne sais pas si vous voyez, bah, enfin, il pénètre tout de suite la peau. Il est un petit peu irisé, un peu brillant, un petit peu irisé, un peu brillant. Je l'ai mis là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mes amis. Voilà. Bon, à voir, il faudra vraiment que je le teste, que j'en mette avant de me maquiller, avant de me mettre le fond de teint. Mais il a l'air sympa, franchement, à voir à l'utilisation. Voilà, donc ce petit primer tout nouveau là, 2,29 €. Tiens, ça me paraît bien cher. C'est rare qu'un primer soit aussi cher. Ça me paraît cher. Bon, je revérifierai au montage si je me suis trompée quand j'ai écrit mes petites notes. Si ce n'est pas le bon prix, je corrigerai. Si c'est le bon prix, ben, je vous mettrai le bon prix. Donc là, dans mes notes, j'ai mis 2,29 € pour ce primer de Max & More. Ça me paraît un peu cher parce que souvent, les maquillages Max & More, ils sont tellement pas chers. Bon, enfin voilà, 2,29 €, c'est ce que j'ai noté aujourd'hui. Ensuite, alors attendez, je vais peut-être quand même me nettoyer un peu la main là parce que, et là, j'utilise quoi? Les petites lingettes que j'avais achetées justement à Action et que je vous avais présentées dans un haul précédent. Donc voilà, je vous les remonte, ces petites lingettes. Voilà, elles sont d'ailleurs très très bien, je trouve. Voilà, hop, je me suis nettoyée. On va pouvoir passer à la suite, mes chers amis. Alors là, j'ai craqué. Qu'est-ce que j'ai acheté? Bah oui, vous l'avez compris. Une palette de fard à paupières. Donc, c'est une nouveauté chez Action. Elle s'appelle Sparkle. Voilà. Il y a 21 fards à paupières. Et alors, vous allez voir, magnifique. Mais quand je vous dis magnifique, voilà, je vous montre bien la caméra. Tant pis, on ne me voit plus. C'est pas grave. Moi, ce que j'ai adoré, bah, c'est, vous me connaissez, hein, c'est tout ce qui va être très pailleté. Ils ont l'air d'être vraiment extrêmement pigmentés. Alors, attendez, on va swatcher un petit peu là. Je vais essayer de vous montrer ça un peu sur ma main. Allons voir. Ah oui, celui-là, vous voyez déjà celui-là? Celui-là, il est vraiment. Alors, celui que j'ai pris là, c'est celui-ci précisément. Vous voyez, moi, je suis attirée tout de suite par les paillettes. Donc, vous voyez un peu les amis, il est super. Ensuite, je vais essayer. Ben, attendez, je vais essayer un autre là. Là, j'essaye celui qui est ici, là. Voilà. Celui-ci, alors attendez, oh, c'est difficile de bien vous montrer à la caméra. Hein. Donc celui-ci, déjà quand je vois sur mon doigt, je me dis que ça va en jeter. Ah oui, bah magnifique, c'est le deuxième là. Bon, attendez, je trouve qu'on ne voit pas bien. Je vais vous montrer que sur mon doigt. Ça, c'était le premier, les amis. Voilà, ça, c'est le deuxième. Oui, alors il faut que je fasse attention avec mon doigt, qu'on ne pense pas quand même. Voilà. Bon, je ne vais peut-être pas tous les faire. Il y en a un dernier que j'ai envie de vous faire parce qu'il a l'air magnifique. Je vous fais celui-ci. Je ne vais pas vous faire les 21, ça va être beaucoup trop long pour la vidéo. Ah bah oui, il est magnifique. Il est magnifique. Ah bah oui, regardez les amis. Voilà, c'est le dernier, c'est celui que j'ai mis là.
Bon, bah super. Bon, bah voilà. Franchement, que des couleurs très, très irisées. Oui, c'est un peu spécial, moi, comment je vous montre ça du bout des doigts. Bon, moi, je suis pas très douée pour montrer sur les mains. Je sais pas, j'ai pas le coup de main, c'est le cas de le dire. Alors, hop, j'efface quand même tout ce que je me suis tartiné sur la petite main. Voilà. J'efface le bout des doigts parce que j'ai d'autres choses encore à vous présenter, mes chers amis. Et c'est, voilà, j'ai pas envie de tout salir avec mes petits fards à paupières. En tout cas. Donc, cette magnifique palette, les amis, où vous avez 21 fards à paupières, et franchement, il y en a des très très beaux, très pigmentés, moi j'adore, eh bien, elle m'a coûté 4,59 €. Franchement, ce n'est pas cher du tout, les amis. Là, vraiment, même si vous voulez faire un cadeau à des copines, à votre maman, ou si vous me regardez, mais si en ce moment, et voilà, vous voulez faire un cadeau, c'est super sympa. Et puis, pourquoi pas, mesdames, mesdemoiselles, pour se l'offrir à vous-même, tout simplement. Pourquoi pas? Il n'y a pas de mal à se faire plaisir après tout, hein. Surtout que, bah, voilà, hein, en ce moment, le contexte économique, il est difficile. Pour plein de raisons, la vie, elle est pas facile à des moments. Donc, des fois, sur un petit plaisir, ça peut vraiment faire du bien. Voilà. Moi, en tout cas, j'en suis convaincue. Alors ensuite, ensuite, Pâques arrive à grands pas. Et bien évidemment, il y a des tas de petites choses à action, bah, pour Pâques. Et bien, j'ai vu ça. Oui. Vous me connaissez, moi, dès que je vois des petits trucs comme ça, un peu rigolo, j'ai trouvé ça trop mignon, c'est rempli, bah, vous voyez bien, un peu comme des petits Smarties, hein, en fait, voilà. Moi, je trouve que c'était très mignon, le petit lapin, le petit, je sais pas ce que c'est, un petit coq, hein, oui, voilà. Bon, enfin, moi, j'ai trouvé ça trop, trop mignon. Grosse erreur de ma part, je n'ai pas pris les deux mêmes. Sur le moment, je sais que mes filles, ça va être le drame, et c'est après que je réalise, c'est quand je filme ma vidéo, que je vois que j'ai pris deux choses différentes, je me dis, mais mince, ça va être encore le drame, mes filles vont se bagarrer, j'aurais dû prendre les deux mêmes. Mais en même temps, c'était tellement rigolo que j'avais envie de prendre des modèles dits rigolos. Donc bon, il ne faudra pas que je m'étonne si mes filles se chamaillent. Alors combien ça m'a coûté? Ben, les bâtonnets de Pâques, l'unité, là, l'unité, 99 centimes. Et c'est tout mignon. Franchement, pour 99 centimes, ça peut être très sympa à offrir pour vos enfants. En tout cas, à Pâques, voilà, c'est mignon. Ça change un peu des œufs traditionnels que l'on trouve quand on fait la chasse aux œufs. Moi, j'ai vraiment hâte quand même que... Oui, c'est trop mignon. J'ai vraiment hâte que Pâques arrive parce que pour mes filles, c'est toujours un très grand moment de bonheur. On cache un peu tout partout. Et alors là, voilà, elles ont leur petit sac, leur petit panier. Agathe est très excitée. Agathe, c'est ma petite qui a 6 ans. Alors, elle part dans tous les sens, elle court, voilà. Margot, elle a 10 ans. Elle aime toujours autant faire la chasse aux œufs. Mais elle est juste un peu plus calme dans le caractère que ma petite Agathe. Donc, elle court pas partout comme Agathe. Mais j'adore ce moment qui est super. Alors, ce qui est moins sympa pour nous, les parents, c'est qu'il faut se lever très tôt avant qu'elle se lève. Et mes deux filles se lèvent très tôt pour aller cacher partout les œufs. Puis, ce genre de petites choses. Ça, c'est déjà moins facile à cacher. Mais bon, on peut le mettre. Bon, je verrai. Je verrai. Je ne sais pas encore où je vais le mettre. En tout cas. Ça va être sympa. Pâques, moi, c'est une fête commerciale, mais quand on a des enfants et qu'on les voit courir partout pour remplir leur petit panier, c'est quand même vraiment un grand moment de bonheur. Voilà. Donc, ça, je vous l'ai dit, les amis, les bâtonnets de Pâques, 99 centimes l'unité. Voilà. Voilà. Ensuite, mes chers amis, bon, alors là, c'est pas du tout glamour, hein. C'est pas glamour. Je me suis acheté tout simplement, vous savez, les petites soquettes de sport, voilà. Donc, elles sont super bien à Action. Moi, je les achète depuis de nombreuses années. Déjà, toutes mes chaussettes, que ce soit pour moi, pour mes filles et aussi pour mon mari, j'en achète beaucoup. C'est chez Action. Elles sont franchement super. Là, la marque, c'est Pairs. Donc, oui, Pairs. Pairs. Bon, Pairs. Donc, c'est un pack de trois sockets. Il y a donc trois paires de sockets. Écoutez bien le petit prix, 1,99 € et elles sont vraiment dans un coton de très bonne qualité. Moi, vraiment, je les adore. Et bientôt, le printemps arrive, l'été arrivera. Et donc, je vais commencer à mettre des petites baskets basses. Et donc, j'aime bien avoir des petites chaussettes comme ça. Voilà. Donc, ça, je vous ai dit le prix. Hein, voilà, on ne va pas en parler sans temps, des sockets. Ensuite, ça aussi, c'est un article, je vais passer dessus rapidement. Je me suis racheté un petit panier plastique noir qu'on trouve chez Action. Alors, il est tout simple, il fait 20 cm par 15 cm par 8 cm. Voilà, vous voyez la taille, tac, tac, tic, tac, tac, tac. Pourquoi j'ai acheté ça? Ben, parce que j'ai envie de faire à ma cuisine que ça fasse un peu plus propre au niveau de l'évier. Vous savez, il y a toujours le produit vaisselle, l'éponge, le savon pour les mains, etc. Et ben, j'ai envie de réunir ça dans ce petit bac pour que ce soit bien rangé et que ça fasse
propre, voilà, que ça fasse plus net, plus clean. Donc voilà, c'est vraiment de la déco, hein. C'est tout simplement une petite touche de déco. Mais ça devrait faire propre et je l'ai prise noire parce que mon plan de travail est en bois clair et que mes meubles en dessous sont noirs. Voilà, tout simplement. Donc ce petit bac, donc pour décorer et faire propre à ma cuisine, à l'évier, et ben 1,39€ les amis, voilà. J'adore les petits bacs chez Action, ils en font de toutes sortes, de tous les formats. Vraiment, ils sont pas chers, ils sont de bonne qualité. Si vous avez besoin de chez vous de faire des rangements, que ce soit à la cuisine, dans vos placards, etc., etc., ils font des tas de sortes de petits bacs, mais super quoi, super. Et il y en a des en plastique, mais il y en a aussi au rayon. Alors, plastique, c'est plutôt au rayon, vous savez, quand on entre dans Action, bah, généralement, c'est un des premiers vers la droite, quoi. Il y a les rangements, voilà, et ça arrive vers le rayon cuisine. Mais ensuite, vers le rayon décoration, vous avez d'autres sortes de rangements de bacs qui, là, peuvent être, je ne sais pas, en lin, en bois, en différentes matières. Donc, voilà, dans tous les cas, Action, quand vous avez besoin de rangement, franchement, c'est là où il faut aller parce que vous trouverez des choses super à des tout petits prix. Et j'ai envie de dire, je ne l'avais pas encore dit, merci, mon copain Action. Voilà. Alors, ensuite, vous savez, j'arrive bientôt à la fin, mes chers amis. Oui. Devinez pour qui j'ai acheté ça. Bah oui, vous le savez, si vous me, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, c'est pour mon mari. Yes, for my husband. Je ne sais pas pourquoi des fois, je ne sais pas pourquoi j'ai des mots anglais qui viennent comme ça. Il adore ça. D'habitude, je prends, bah, vous savez, les grands. Bah, là, je me suis dit, tiens, je vais tester, c'est des tout petits, voilà, bon à voir. En tout cas, les os, ça, donc les Oreo Crunchy Bites, hein, je vous montre mieux l'emballage. Donc, il fait 110 grammes, mes chers amis, et il coûte 1,69€. Voilà, si vous avez envie d'être un peu gourmand, et bien voilà. Et ensuite, mes chers amis, et c'est le dernier article que je vais vous présenter. Donc, vous voyez, j'ai été rapide aujourd'hui, hein. Ce sont, bah vous savez, mes petites madeleines préférées que j'aime plus que tout. Et oui, les fameuses alors Cake Square de la marque Betty's. Mais je les adore. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, en Espagne, on en trouve beaucoup des petites madeleines comme ça dans les supermercados. Et c'est souvent en Espagne que j'en mange. Voilà. Et je suis trop contente parce que chez Action, ils les font. Je m'en régale. Donc, de temps en temps, j'en achète pas à chaque fois que je vais chez Action parce que j'essaye quand même de ne pas être trop gourmande. Mais voilà, une fois sur trois, une fois sur deux, j'en achète. Combien ça coûte? Il y en a 8 des petites madeleines qui font 30 grammes. Ça coûte 99 centimes. C'est tout, les amis. Non, mais voilà, c'est se régaler pour un tout petit prix. Et vu la conjoncture, bah, c'est top. Voilà. Mes chers amis, ça y est, j'arrive déjà à la fin de cette vidéo et de tout mon cœur, j'ai vraiment envie de vous remercier parce que vraiment, depuis que je vous l'ai demandé, je vois que vous mettez des petits pouces et ça m'aide énormément, mais vraiment. Comme je vous l'ai expliqué, je ferme ma société, donc c'est un nouveau départ pour moi. Je vais prendre un travail à côté en mi-temps parce que YouTube ne me rémunère pas assez à ce jour pour que ça puisse être mon travail à 100%. Mais j'espère un jour que YouTube deviendra mon travail à 100%. Et donc, pour ça, j'ai vraiment besoin de vous, de votre soutien, de votre aide. Alors, pour m'aider, c'est tout simple. Partagez cette vidéo, partagez-la autour de vous, à vos copains, à vos copines, à votre famille, à vos cousins, à vos cousines, à votre oncle, à votre tante, à tout le monde, à toutes les personnes qui pourraient être intéressées par ce type de vidéo et ce type de contenu. Voilà, partager ma vidéo, ça peut vraiment m'aider. Si vous avez aimé le contenu, bah mettez-moi un petit pouce, les amis, ça m'aidera énormément, voilà. Surtout, continuez à me mettre des commentaires, des petits messages. J'adore vous lire. Sachez que je réponds à tous mes commentaires. Je réponds à chacun de vous parce que vous comptez. Et quand vous laissez un commentaire, eh ben, c'est important. Chacun de vous compte pour moi, voilà. Et puis, je voulais vous dire, ben, vraiment, je vous adore. Parce que vous me mettez des messages qui sont tellement choupinous, tellement mignons. J'ai beaucoup de chance d'avoir des abonnés comme vous et c'est pour ça que je vous remercie vraiment, vraiment du fond de mon cœur. Voilà. Donc, je vais vous dire à très bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye. I know you feel this movement right here. You just be vibing.